Monsieur le Président, je salue les travailleurs remorqueurs du syndicat des métallos en grève d'ECA Remorquage de Sorel-Tracy, une entreprise de services portuaires sous juridiction fédérale, qui ont manifesté hier à Québec pour obtenir des conditions de travail et des salaires décents et revendiquer une loi anti-briseur de grève. Ça va faire plus de 5 mois que ces travailleurs sont en grève et font face à un employeur de mauvaise foi qui a décidé de profiter de la faiblesse du Code canadien du travail pour engager des scabs, laissant ainsi perdurer le conflit. Rappelons que le ministre du Travail a le mandat de déposer un projet de loi pour interdire cette pratique qui affecte grandement le rapport de force des travailleurs. Mais il va le faire seulement en décembre 2023. Il n'y a rien qui justifie ce délai. Il doit agir maintenant. Le Bloc québécois a déjà présenté 11 projets de loi pour corriger cette injustice et nous réitérons aujourd'hui l'importance de cet enjeu en donnant notre appui aux travailleurs en grève.